je suis avec Armand, il va m'expliquer les produits qu'on utilise pour le detailing. Alors là, on a plusieurs foam lances, de marques différentes. Dick Toto, là c'est chez Mikirgo. Donc ça, on s'en sert pour le pré-lavage de la voiture. Après, on a les shampoings. Donc tu as différents types de shampoings. Après, c'est selon les marques. Ça, c'est un shampoing pour mat et pour voiture satin. Oui. Ça, c'est pareil, c'est du shampoing aussi, moussant. Puis après, on a l'anti-moustique de chez Chemical Guys. Qui va avec celui-là. D'accord. Après, ça, c'est un lubrifiant. Oui. Donc ça, on le met avec la clé barre en fait pour décontaminer le véhicule. La clé barre, c'est clé barre, c'est la petite. Je sais pas si on en a ici. Tu l'as mis sur la dernière fois. Si là. Les barres, c'est ça. Ça, c'est pour faire la céramique. Non, ça, c'est pour enlever les toutes les particules qu'il y a sur le véhicule. Ok, d'accord. Ah, maintenant que tu le dis, ça va, j'ai posé là-bas. À midi, je l'ai posé là. Alors ensuite, donc ça, une fois que tu as fini ton lavage du véhicule, oui. Tu peux mettre ça, c'est une cire hydrophobe. D'accord. Donc c'est un déperlant. Ouais, ça, en fait, tu le vaporises sur la carrosserie. On vaporise sur la carrosserie et tout de suite derrière, on met un coup d'eau. Et après, on voit tout de suite que l'eau, elle déperle. Et après, on passe la microfibre pour essuyer. Non, on laisse. Ah non, comme ça. On laisse. Ceux-là, ils sont bien parce que tu les laisses, en fait. Tu laves la voiture et après, tu passes ça. Voilà, c'est ça. En fait, c'est l'eau. Oui. Tu vaporises et en fait, c'est l'eau que tu vas mettre sur le véhicule qui va te disperser ton produit. Et du coup, tu en auras partout. Et tu peux l'utiliser sur les vitres. D'accord. Et du coup, ça, par exemple, si je lave, on va dire, à l'éléphant, la voiture au Karcher... Ouais, tu peux mettre ça après. Je mets ça après. Tu mets ça après ton lavage, et après, tu remets un coup de Karcher pour, en fait, l'étaler sur ta voiture. D'accord, ok. Ouais, c'est bien, parce que et ça dure 3 à 4 mois. 4 mois, ah oui, quand même. Ouais, donc c'est pas mal. Ça, on n'a pas vu. Alors, ça. Donc ça, après, celui-là, c'est une cire de protection, c'est pareil. D'accord. Je la mettrai avec ça, parce que c'est pareil. Ça, je le mettrai là, parce que c'est pour le pré-lavage. D'accord. Et ça, c'est pour le pré-lavage aussi. D'accord. Okay. Ça doit avoir des odeurs différentes. Ah oui, après, il y a quand même... Après, on va passer... Alors, tout ça, c'est nettoyant cuir. Donc, ça va du plus doux au plus fort. C'est quoi? C'est du lait, alors? Là, c'est liquide. Là, c'est du lait. En fait, ça dépend. Le lait, il est un peu plus épais. Et c'est pour quand c'est plus puissant. D'accord. Après, on a les lotions pour le cuir. Oui. Après, le nettoyage du cuir. Donc, il y en a plein de différentes. D'accord. Après, chacun... Ça, c'est pour nettoyer les tissus, non? Ouais, alors ça, c'est les cyclones, c'est pour nettoyer les tissus. Tu mets de la vapeur dedans, non? En fait, non, on met de l'eau. Oui. De l'eau mélangée avec du produit. Oui. Et là, en fait, ça tourne. Oui. Et ça vient chasser la poussière et ça la fait ressortir. Tout ce qui est sale. Voilà, tout ressort et après on aspire. Ah, génial, d'accord. Et on peut s'en servir aussi pour faire les intérieurs de porte. D'accord. Oui, et l'intérieur du coffre. Les plastiques, tout ça, qu'on ne voit pas que c'est noir. Mais... Voilà, c'est ça. Et tout de suite mettre un coup de... Et en plus, ça, on peut acheter nous-mêmes, c'est pas trop cher. Non, il y en a à tous les prix. Il y en a à tous les prix. Maximum, ça doit être 100 euros. Et tu dis comment ça s'appelle ça? Ça, c'est un cyclone. Cyclone, ou d'accord. Ou tornado. Oui, j'ai entendu parler de ça. Ouais, ça. Une fois, j'ai vu une pub à la mode. Sur une. Comment ça s'appelle? Genre un site, oui, je suis allé, il disait, oui, on en trouve pour je sais plus combien. Mais après, il dit. Non, après, vaut mieux qu'on mette un peu plus cher. On ne va pas mettre 100 euros, mais s'il y en a à 50 euros qui sont pas mal. Ouais, en plus, il faut quand même que tu le branches à la pression. Ouais, c'est branché à l'air. Au tuyau, qu'on fait dehors chez toi. Et, voilà, ça, c'est pas mal, ça. Ça, je prendrai peut-être un jour. Ouais, ça, c'est pas mal, ça peut servir. Ouais. Donc, et ça, c'est tout. Et après, ça, c'est produit. Après, tout ça, alors ça... Ça, c'est une cire aussi, de protection. Oui, d'accord. Ça, c'est les désodorisants, en fait. Donc, celui-là, il sent le bacon. Ah oui, d'accord. Ouais. Ils sont pas très bons. Oui, après les produits pour l'intérieur. Ça, c'est le nettoyant pour l'Alcantara, Fictech, la même marque tout à l'heure. D'accord. Après, on m'a dit des fois, l'Alcantara, on peut le nettoyer au savon de Marseille aussi. Mais... Ouais, c'est pas mal. Mais le mieux, c'est d'avoir un produit Alcantara et un microfibre. D'accord. Parce que c'est pour les volants, des fois, ou pour les intérieurs aussi, pour les voitures sportives. Après, on a ça, une fois qu'on a fini l'intérieur, c'est un. Pour les plastiques. C'est un brillant plastique. Okay. Donc on peut le faire à l'extérieur, mais je ne conseille pas celui-là pour faire à l'extérieur. Après ça, c'est des mousseurs, ça c'est pour le cuir. En fait, on met ça sur une brosse. D'accord. C'est Color Look qui fait ça. On met ça sur une brosse et puis on vient nettoyer le cuir.
puis voilà, après on a fait le tour. Ceux-là, c'est... Ça, c'est Kenotech, c'est une marque qui en essai. Ouais, bon, donc celui-là pour les jantes, celui-là pour les insectes, celui-là pour les jantes aussi. Avec le ferreux. Ça, c'est un décontaminant ferreux, et ça, c'est un nettoyant. On laisse couler. On laisse agir, et voilà. Le produit coule, on rince, et après on finit au pinceau. Ah, donc c'est pas un nettoyant, c'est pas... Non, il faut mettre un masque parce que c'est costaud quand même. D'accord, ok. Et celui-là, c'est un brillant. Ça, d'accord. C'est pour une fois qu'on a fini de laver le véhicule, on met un petit coup de ça et en fait, tout le brillant ressort. D'accord. Et voilà, et après ça, c'est plein de pulvérisateurs avec déjà les mélanges dedans. Et du coup, pour votre centre de détailing, quand vous serez installé, du coup, vous achetez plutôt, vous, des gros bidons. Ouais, c'est et mieux. Que vous faites vos mélanges dans c'est mieux d'avoir un gros bidon et au pire, un robinet comme les cubits de vin qui va bien. Et puis, à chaque fois, on remplit. C'est mieux que des petits. Voilà, après, ça dépend. Il y a des... Pour les tissus et pour tout ce qu'on sert beaucoup, c'est mieux d'avoir des grosses quantités. Et y a, comme ça, vous mettez... Comme des désodorisants, ça sert à rien d'acheter plus gros que ça, en fait. Parce qu'on m'a dit que, par exemple, ce qu'on achète dans le commerce, c'est un peu dilué, donc ça en nettoie fait, aussi. Presque mais... tout se dilue. Tout se dilue, ouais. Donc au final, un bidon comme ça se dilue. Donc ça fait, on peut faire au moins 40-50 voitures. Mais tu sais, comme dans les bidons qu'on achète tout fait, la Megwire ou autre, eux, ils diluent déjà, donc c'est pas c'est moins concentré que toi, ouais, quand tu vas mettre un certain dosage, c'est pour que ça soit plus fort, en fait. Ouais, non, c'est juste ça. Voilà, bien sûr, ouais. La plupart, après, ils se vendent, et c'est tout à diluer, donc comme celui-là, je pense que ça fait un moment qu'ils l'ont, il est pas vide, celui-là, c'est pareil. Et vous, vous avez quand même des prix ou vous commentez en gros quand même pour l'instant, je commence par les 5 litres par 5 litres. Mais après, quand j'aurai vraiment ma structure, je pense que je commanderai parce que je crois qu'il existe des 10 litres. D'accord. Qu'on ne peut pas avoir quand on n'est pas pro, en fait. Donc pour l'instant, je fais avec le maximum que je peux. Donc 5 litres, des fois, c'est 1 litre. Et tu fais aussi l'intérieur aussi. Ouais, je fais aussi l'intérieur. Tu commandes les cuirs aussi. Pareil, tout, tu fais l'intérieur. Tu commandes tous ces produits-là pour les cuirs. Parce qu'il faut le savon, il faut aussi les brosses. Ouais. Les brosses pour le cuir, l'éponge pour le cuir. Je sais pas où les ont mises, mais. Là, bon, là, il y a des aspirateurs. Ouais, là, ça, c'est aussi. Les aspirateurs, injecteurs extracteurs. Là, c'est l'appareil à vapeur. Oui. Ah, bah tiens, là, on a toutes les brosses. Ah, voilà, d'accord, ouais, ok. On a des brosses, ça, c'est pour les poils d'animaux. Oui. Ça, c'est pour les cuirs. Oui. Après, on a ça pour aller chercher la poussière dans les aérations. Ah oui, d'accord, oui. Après, on a les pinceaux aussi. Ah oui, ça, j'en ai jamais acheté ça encore. Ouais. Mais qu'est-ce qu'il faut pour les jantes? Parce que moi, j'ai peur de rayer les jantes quand je prends un pinceau. Enfin, j'ai pas acheté un poil doux. Un poil doux, parce qu'il monte des fois à rugueux, là. Non, il faut pas acheter ça. Pour les jantes, c'est poil doux. Ouais. Parce qu'ils mettent ça, mais je dis, mais ils doivent rayer les jantes avec ces trucs-là. Hein. Par exemple, ça. Ça c'est doux, c'est non, ça c'est spécial jante. D'accord, donc ça on peut. Ouais. Tout ce qu'il y a dans les deux seaux là c'est spécial jante. D'accord, ok. Ouais. Donc ça, moi c'est trop large pour la mienne. Mais... Comme ça, elle existe en plus petite. Il y a ça aussi, non ça. Moi j'ai ça. Ah oui, ça serait pas mal. C'est spécial produit chimique. D'accord. Et il y a ça pour les roues. Ah oui, ça, tu mets le produit. Ouais, et après, parce que moi j'ai j'ai un spray. Et je passe autour après. Ouais, non, c'est pas mal. Après, ça c'est pas mal. Ça c'est génial. Après, il y a tous les pinceaux. Et puis aussi, je pouvais montrer les microfibres pour voir la différence, comme ça. C'est vrai que c'est intéressant de voir un peu, parce qu'il y en a qui ont des pourcentages. Alors ça, c'est pour c'est les... ça, il y a différents styles de microfibres. Voilà, c'est les microfibres qu'on servirait, je pense, pour tout. Oui, pour chacun chez soi, plus ou moins. Voilà, c'est ça, ils sont pas très épais. Ouais. Ça, c'est des microfibres qui, le pourcentage... Ça, c'est est... plus pour la cire. Ouais, pour le pourcentage, pour sécher. Ils sont un peu plus épais, ça ressemble plus déjà à des serviettes. Et puis, c'est plus gros aussi, c'est plus grand, c'est mieux. Après, c'est plus cher aussi. Ceux-là, c'est pareil, ceux-là, c'est pour tout ce qui est cire. D'accord. Ouais, c'est plus épais. Ils sont des coupes laser, ça ne tient pas de couture. Ah oui, d'accord. Après, tu utilises aussi les moufles, les gants. Ouais, pour nettoyer, ouais. Je ne sais pas où ils les ont mis, mais... Ah, peut-être ça, non. Il y a tout non, un ça c'est des non, parce que normalement ils ont des quelque ouais, chose. Ils doivent être dehors, je pense. Ah non, regarde ça là, à gauche, je c'est crois. C'est ça, exact. Je connais un peu quand même. Ouais, j'aime bien ce. Ouais, il y a les bleus il y a là. Différents gants. Ça, oui. Ça c'est les chenilles. Oui, ça sert à quoi pour. Ça c'est. Pour...
après, c'est différent, en fait. C'est deux différentes. D'accord. Il y en a qui préfèrent laver avec des chenilles, il y en a qui préfèrent laver avec ça. D'accord. Oui, en fait, chacun utilise ses produits qu'il préfère. Ouais, c'est ça. C'est souvent celui qui préfère ça, c'est les microfibres de séchage. Ouais, voilà, ça, sont super, ça. Ouais, pour sécher. Elles coûtent cher, mais je sais qu'elles sont très bien. 30 euros, je crois. Moi, j'en ai vu à 18 euros, et comme ça, très bien. Ouais, ouais, non, ça sèche bien. Ça sèche bien, que les petites microfibres qu'on achète dans le commerce, pas trop cher. C'est vrai que des fois, il fallait que j'investisse un peu aussi. Ouais, voilà. Après, pour sécher le véhicule, on a ça. Ouais. On a comme un aspirateur. Ouais, celui-là. Ah, d'accord. Ça, ça permet de sécher le véhicule plus rapidement. D'accord. Ouais. Il existe aussi des petits aspirateurs à nappe, c'est là. Ouais, bah c'est les mêmes, mais en plus petit. D'accord. Ouais. J'ai pas encore ça, mais je pense que ça va être mon prochain achat. D'accord. Ah, merci Armand. Bah, de rien. Merci, pour ça on aura vu. Puis là-bas, bah, là-bas c'est les gants. C'est, ouais, là-bas c'est tout ce qui est gants. Et est-ce que ça c'est pour les vitres, non? Ouais, ça c'est les spéciales vitres. Mais j'en avais acheté une fois, mais j'ai pas trouvé que ça fait. Enfin, après, je savais que j'avais acheté ça. Ouais. Après, c'est vraiment bien ça, du coup. Ouais, le meilleur c'est le Sonax, parce que c'est le voir. Moi c'était trop fin, mais. Ceux-là ils sont bien. D'accord. C'est Sonax. Je te remercie pour la présentation des produits. C'est quoi alors? C'est DPA. Oui. C'est un dégraissant en fait après le polissage qui enlève tous les résidus de gras pour après l'application de la cire. D'accord. Donc, chaque fois tu fais ça en fait. Ouais. Tu es obligé quand tu fais un polissage, tu es obligé d'enlever les résidus graisseux en fait. D'accord. Parce que ça laisse un film gras. Mmh. Donc on passe après avec ça. D'accord. Ça c'est la microfibre spéciale. Ouais, c'est une microfibre pour enlever le, pour essuyer le résidu. Donc ça, merci. C'est de l'alcool. D'accord. C'est de l'alcool à 90 dissous avec de l'eau en fait. D'accord. Et donc comme ça t'enlèves tout d'intérieur. J'en mets partout. Pour tous les plastiques, pour dégraisser, tout nettoyer comme il faut. D'accord. On peut arroser. Et après, il suit tout. Après, on essuie tout. Ouais. Ça sera nickel. Et après, il n'y a plus qu'à essuyer. Ah merde, même encore en rouge. Ça sent là. Ah. J'ai goûté un peu ce qu'il y a plein, il y a encore plein de trucs. Ah, c'est physique quand même, hein. Il faut toujours être à genoux. Là, faut être à genoux, plier. Ouais, je vois aller ça, dans les coins. Ouais, je pensais pas que c'était aussi. C'est détail minutieux. Non, je pensais que c'était physique, mais pas autant de. Voilà, être accroupi. Ah, encore là, ça va, on est au chaud, mais c'est vrai que c'est quand on lave les voitures dehors. Ah oui, je sais, ouais. C'est froid et tout. Et puis par tous les temps en plus. Donc, c'est ça, c'est ça. Même s'il pleut, vous le faites quand même. Et après, vous allez refaire les jantes ou c'est vrai? Ouais, on va nettoyer les jantes, on va mettre du bris en pneus. D'accord, ok. Ah, la jante, elle est propre, mais elle n'est pas finie. D'accord. C'est quoi ton instrument ça? C'est une chanteuse ou... Non, c'est une petite lustrée aussi. D'accord. C'est pour faire tous les points. D'accord. Toi, c'est pareil, tu choisis. Ah oui, c'est une polisseuse. Ouais, tu choisis le embout que tu veux mettre, suivant la dureté, et là tu peux aller partout. Et tu fais les coins. Ici, voilà. Là. D'accord, ok. Ces petits trucs-là. Moi, je fais une ponceuse. Dans les écopes. Ah oui, tout aussi. Ça, là. Ouais. Partout, là. Ah, ok, mais c'est vraiment bien, d'accord. Ça te permet de faufiler un peu partout, quoi. Ok, je te remercie. Pourquoi c'est le pire ça alors?
En fait, c'est la pire parce que, bon, déjà, la peinture tendre, mais en plus, c'est vraiment les formes de la voiture. Oui, c'est vraiment. Il y a plein de formes. C'est pas très plat, c'est pas comme un Cayenne. Là, c'est vrai qu'il y a des formes, des arêtes partout. Donc, bon. Là, t'as repassé un produit, non, là, c'est la production. Non, là, je suis toujours comme sur le capot. Là. Là, pour l'instant, on a la première couche, on va dire, la première phase. On est donc avec un pad hard et un produit aussi abrasif hard. Donc là déjà on doit faire une passe donc toute la voiture, mais bon évidemment là on attaque le. Enfin moi perso j'attaque le pare-choc. Comme on peut voir, il y a des formes. C'est pas évident d'y aller. Et après la première phase, là quand on aura fait la voiture, on va changer de pad. On va changer de produit. Et là je pense que déjà on verra une bonne différence. Là déjà on la voit par rapport au début. Et en, je pense, en passant le 2500 et en changeant de pad, on verra déjà une brillance qui va arriver. Et le pad, il sera plus tendre après. Il sera, ouais, on va dire que là, c'est le pad, on va dire, entre guillemets, niveau 3, hard. Après, on va passer au pad moyen, niveau 2. Et après, on aura un pad plus doux pour vraiment la finition et la brillance. Et à chaque fois, on est obligé de faire ces étapes-là quand on passe à polisseuse ou pas forcément. Comment ? On est obligé de passer à cette étape-là ou pas forcément. Sur ça-là, ouais. Après, voilà. Des fois, on peut passer en deux étapes. Là, c'est ce qu'on voulait peut-être faire sur celle-là, mais on a essayé l'étape, on va dire, avec le pad moyen et le produit moyen. Et ça n'a pas donné de résultat, donc c'est pour ça qu'on a attaqué le hard. Donc là, sur celle-là, il y a du boulot. Heureusement qu'on est quatre. Ouais, bah oui, je vois ça, parce que sinon, là, c'est pas la peine. C'est ça. T'as fait derrière, toi, Geoffrey ? Derrière, non, mais c'est les... Non, mais les deux bandes, là. Là tu vaporises la vapeur. Là je nettoie la vapeur, pour, parce qu'avec le spray c'est un peu plus long, donc avec la vapeur on dégrossit bien, on enlève tout. D'accord. Et en fait on nettoie le passage de route. Ouais, toujours à la vapeur. Une fois que tu as passé la vapeur, tu réessuies encore. Ouais, après je reviens essuyer avec un petit produit à l'alcool comme tout à l'heure. Ah oui, mais bien. Justement ça va permettre d'aller plus vite. D'accord. Et gaspiller moins de produits aussi. Ouais, aussi, ouais. Après celui-là c'est le petit. Donc je prends derrière les ongles gros là. Et après, vous connaissez tous les produits par cœur ou pas forcément ? Non. Après, je connais. Enfin, pour l'utilisation. Voilà, ouais. Chaque utilisation de produit, il y a beaucoup de produits différents, beaucoup de marques différentes. Bah, oui. Mais après, bon, on sait à peu près quoi mettre par étape. D'accord. Après, voilà, il y a plein de marques différentes. Il y a presque une affinité à avoir. D'accord. Il y en a qui sont meilleurs que d'autres. Il faut les essayer. D'accord. Out. What do you want to be? Now I'm holding on.
D'accord. Sinon, ça, on applaudit Frédéric. Merci. Merci.